Allez, go changement de jeu après la slot de l'espace, le Totem Towers. Donc 5991. On va pas abuser sur les mises, allez 31-25. Est-ce qu'on continue à se faire plumer ou est-ce qu'on va retrouver un petit peu des parties chanceuses? C'est sûr que la chance avec ce genre de jeu, à part l'option Père Noël, des fois c'est relativement mal barré. Alors, c'est en somme 2. Numéro 3, numéro 3, numéro 3 va-t-il? En plus, machine à soie 6 rouleaux, bah il nous l'a sorti sans deck. Est-ce que ça va payer que dalle? Ou est-ce que ça va payer du lourd? Tiro trigger serait bienvenu. Non, double non. Ah! Le troisième, il est sorti. Allez, 19 parties. Alors, va-t-on avoir dans l'option Big Win ou l'option l'option 3 paquets de cacahuètes? Eh ben sans deck. Encore en troisième scatter, on repart sur 19 free game. Bon par contre niveau win on est un peu à la ramasse, on est très loin du x10 par rapport à la mise. Ce serait sympa si nous flashions ne serait-ce qu'un big win. Parce que là sans deck, si on n'avait pas eu les deux retriggers, voilà ce qu'on aurait gagné. The cacahuète. Sans déconner, on va me faire des free games de crevards. Voilà, c'est des free games de méga crevards, on n'est même pas à 200 balles. Pourtant, c'est quand même des mises à 31-25. Alors, 50 balles. C'est un free game, on va même pas arriver au x10 par rapport à la mise s'il faut. Parce que là, vu ce qu'on a gagné, quand même. Retrigger, eh ben, sans deck. Alors, est-ce qu'on arrive à 300? Trop longtemps sur ce jeu, j'avais fait un gros big win dessus, mais bon, ça relevait d'un gros coup de chance. Là, c'est clair que ça paye pas tous les jours. Alors, big win le premier, le seul, l'unique 2100 bordel, parce que là on est à la ramasse. Sans deck, le truc s'est réveillé. Il est endormi puissance 10, là il a raqué un beau win. Là, encore un à 800 balles, 3002. Quand même, plusieurs triggers, 40 parties au total. Ouais,
C'est vrai qu'à chaque fois on en grattait 10 à chaque retrigger, donc on a 9100. On avait commencé à 5009, 9100, ouais. Alors, serait-ce le retour de Master Luck de la chance? Je vais quand même me méfier, je vais rester sur des mises à 31 balles, je vais pas les augmenter. Ouais, c'est vrai que le début de partie était assez flippant, il payait que dalle, les free games ça payait que dalle malgré les multiples retriggers. Enfin jusqu'au big win chanceux car c'était quand même un coup de bol. Alors, combien de chiottes de papier toilette? 380, j'espère un petit peu plus. Alors, j'avais commencé à 5009, quasiment à 6000 balles. Faire en sorte de conserver du bénéfice sur cette partie. Trois chances pour avoir le troisième. Forcément, ça allait pas sortir à tous les coups. Un petit wild. 700 balles. Bon, je pense que me fixer une limite vers les 8000 balles. Alors, on va se fixer ça comme limite, on n'ira pas plus bas. Rester sur une victoire sur une machine à sous que de pousser la partie éventuellement tout se faire rebouffer. Alors double wild, re-big win, 700 balles. Allez, bah du coup on va se fixer une limite à 9000. Et bah là ça aurait été pas mal, on aurait pu éventuellement potentiellement retrouver une balance à 5 chiffres.
Bon, on va rester là. J'avais dit que je m'arrêtais à 9000, 8009. Ouais, bon, du coup. Petite victoire. Hop. Alors, on va basculer sur un autre jeu.